Hop, VOD. Ah, je suis au mauvais endroit. Et je vais me mettre là au pire, mais un peu décalé comme ça vous verrez mes runes. Voilà. Oh, j'ai l'impression d'être au milieu. Non, vas-y, je me mets pas là. Je me mets là et puis c'est... Hop, flip horizontal. Voilà, je me décale un petit peu avec mon immense machin. Je parle de mon micro. Je me repose. Alors, j'ai découvert pas mal de trucs hors live en visitant. Et du coup, bah, je voulais attendre. Déjà, j'ai découvert cet endroit. Alors, on est hors map de ce que j'ai découvert. Voilà, je pense que j'ai découvert un peu des trucs hors live. Je me rappelle plus. Et aussi, il y avait un autre truc et j'ai oublié où c'était. Mais j'ai mis un point, je crois. J'ai mis un point ici. Il y a quoi ici? Je sais plus. J'ai mis un diamant. Un coin de farm. Ça? Ou un coin de TP? Oh, je sais plus! J'ai mis plein de diamants partout! Pourquoi je mets des diamants partout? Je suis folle! Là, il y a un boss. Ah, là, il y a un boss! Voilà, là, il y a un boss, il a l'air stylé et on va y aller. Je viens de dire que ton idée est bien. Non, tu viens de dire « Ouais, t'es fantastique, tout ce que tu fais, c'est fantastique !» Excuse-moi de douter un peu de cet avis. Ah là là. Motoban a plus. Adieu, crise. Trop longue, comme dirait Antoine Daniel. Mais j'ai aussi découvert ça. Et regardez comme c'est stylé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord visiter un petit peu ici? Mais j'ai pas fini l'académie de machin Lucaria, là. Mais on y était presque. On va y retourner à l'académie aujourd'hui, pour terminer. Mais avant, voilà, j'ai pas du tout avancé, du coup, je sais pas où on est, je sais pas ce qui se passe. Et on est un petit peu hors map, et je suis dans le grand ascenseur de Dectus. Et voilà. Mais ça, ça sent un truc que je découvre beaucoup trop tôt dans ma run. Dans ma partie. De toute façon, il n'y a rien. Apparemment, il y a écrit grand ascenseur. Du coup, il y a un truc qui doit me déposer. Il n'est pas encore ici. Mais c'est trop stylé, regardez, il y a un gros arbre et tout, c'est trop beau. En fait, je peux rien faire. En fait, je peux rien faire pour le moment. Ils ont fuité, courage, j'ai une couche. Question qui vous avait manqué. Ils ont fuité, désolé, mais tu me manqueras pas. Ah là là! Il y a Fernand Angelis qui dit pareil. Vous êtes des enfoirés, hein. Mais pourquoi vous faites ça? Il est chafouin en plus. Il ne le rendait pas encore plus chafouin. J'avais déjà lu. Bon, en fait, il n'y a rien à faire ici, pour le moment, hein. Bon, de toute façon, le symbole est très particulier. Donc, je retrouverai très facilement. Et je vais vous montrer le truc que je voulais vous montrer. C'est un boss qui a l'air trop stylé. Enfin, je pense que c'est un boss. Si c'est un boss, parce que je pouvais faire des invocations. Allez, let's go. Du coup, j'ai exploré une petite falaise et tout ça. J'ai trouvé, et ça, je vais pouvoir les utiliser... dès que j'aurai un niveau de plus, j'ai trouvé de quoi améliorer mes armes, des trucs de roche, comment on appelle ça? Des trucs là, mais si, des trucs là. C'est un peu fort, non? Ah, j'avais pas vu. Des pierres de forge. J'ai trouvé des trucs de forge et j'en ai trouvé plein parce qu'en fait c'est une sorte de mine où j'étais. Bah où je suis toujours d'ailleurs. Jusque là, là vous voyez que l'extérieur. Oh mais par contre... Attends, il y a vraiment pas un point de TP plus proche? Ah!
là-bas, je... Mais comment je monte là-bas? Je sais qu'avec mon cheval, je peux faire un double saut de fou. Vous entendez peut-être là. J'ai mis fort aussi pour que vous puissiez entendre. Non mais c'est trop loin, je peux pas. Je peux faire pour aller là-bas. Peut-être tomber. Et c'est risqué de tomber quand même. Alors, voilà, ça j'ai pas fait. Écoutez, écoutez bien. Vous entendez, je pense. Vous attendez, vous attendez. J'ai pas approché. Ah, c'était trop stylé, j'avais pas envie que ça s'arrête. Arrêtez, 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 je suis pas prête. J'ai même pas fait d'invocation, je suis pas prête là. Non, 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 je suis tellement d'aïe déjà. Tellement proche, j'ose pas utiliser mes sorts. Ah oui, si, je sais. Ah merde! Si je sais au moment où je meurs comme une merde. Je peux peut-être clean avant parce que je les ai vus de loin. Voilà, on va faire ça. On va essayer de clean de loin. Mais j'attendais de voir jusqu'où je pouvais m'approcher avant que... avant de me faire attaquer. Oh, on va plus proche. Non, ça c'est en bas ça. Et oui. Mais du coup voilà, j'ai entendu ça et j'écoute un petit peu et je suis partie en me disant bon, on verra ça en live. Parce que généralement quand je joue en live, bon, je fais quand même des boss et des trucs comme ça. Mais j'essaie surtout de faire le truc un peu chiant. Genre farmer, améliorer, prendre des levels, améliorer mes armes. C'est quoi? C'est Jean-Bierre, de milicien. Mais il est beaucoup trop petit, ça va pas m'aller. N'importe quoi. Et là, je peux faire comme ça. Et là, ils sont trop deg. Des runes dorées. Oh, il y en a une là. Non, il y en a deux, ok. J'essaie de prendre pas trop de risques, mais je voulais pas gâcher trop de mana. Et je me rends compte que pour le boss d'avant que j'ai pas terminé, j'ai pas vraiment un AE. J'ai plutôt un truc suffisamment large pour toucher plusieurs cibles, mais c'est pas une AE quoi. En fait j'en ai dans mes sorts, mais ils sont vraiment pas pratiques à utiliser. Le plus simple c'est ça. Voilà. Ça c'est vraiment plus simple. Ah, je suis trop loin, je vais pas pouvoir les toucher. Ah putain! Allez vite! Voilà, deux de moins. Maintenant on va prendre une petite popo comme ça. Je pense qu'elle va en faire apparaître d'autres de toute façon. Trop triste, je vais un truc de fou. Et en plus, elle est morte alors que je chantais. Ah bon, en fait, c'est moins dingue que ce que je pensais. Mais du coup, on va continuer d'explorer la carrière. Et ça, c'est cool. Je me souviens de ça. Bah ouais, ça, c'est le plus pratique. J'ai un autre truc, en fait, c'est plein de... Ça me demande plus de mana et c'est plein de trucs qui virevoltent et qui se spreadent. Mais du coup, c'est pas facile de se rendre compte dans quelle direction ça va aller. Ça va un peu dans toutes les directions, ce qui fait qu'il y a forcément des trucs de gâchés. Mais par contre, je crois que quand c'est corps à corps, ça fait super mal.
je crois. Du coup, là, je peux sauter. Et ouais, je peux. Oh, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Ça chante encore? Bouge-toi la merde. Je vais être sûr que ça touche. Je pouvais pas le viser. Non! Ça va. J'ai beaucoup trop paniqué. Faut que je me détende. Bon, j'ai perdu full vie quand même. Mais on a connu pire. J'ai fait des choix beaucoup plus discutables durant ma game jusqu'à présent. Et aussi, j'étais près d'un château où je me faisais bombarder. Bah, je crois que c'est celui où on était juste avant. Mais c'est qui? Un des trucs importants que j'ai fait. Voilà, c'était mon backseat de la soirée. Des bisous, beaucoup courage. Merci beaucoup, je vais tenter. Merci pour ton conseil. Très bonne soirée à toi. Une vie. Comme ça quand même. Parce que là, je pense qu'il y a une chauve-souris qui m'attaque. Je suis morte. Ça chante encore là-haut. Du coup, c'est pas un boss du tout. Ah, attendez, ça c'est une pierre de forge, ça. Ah, c'est ça que je voyais dans la carrière. Pierre de forge 4. Eh, franchement, c'est trop bien. On les trouve dans la carrière. Je crois qu'on peut un peu les farmer. Je sais pas si R-Pop, j'ai pas trop fait attention, mais j'avais l'impression que c'était le cas. J'ai vraiment trouvé un feu de camp là, parce que j'escalade plein de trucs et c'est super long. Ça me saoule. Allez là-bas, il y a un gros mob. On va y aller. Mais d'abord, je vais faire ça. Trop stylé, non? J'aime trop, moi. Je vais en profiter pour me taper pendant que les autres m'attaqueront. Aussi. Hop, la pierre. C'est trop beau! Marqueur unique. J'ai jamais trop fait attention à ce que c'était. Ah, il y en a deux là! Je vais faire lui d'abord. J'ai le droit, hein, il invoque, mais ça va me gâcher de la mana pour pas grand chose. Les os! Oh ah ouais, j'étais dans un coin aussi où ça m'empoisonnait tout le temps, c'est trop chiant. Je sais que celui-là est différent. Ouais, ouais, ça se voyait, t'es trop différent, toi. Ah, il m'attaque. Oh, plus de mana. Il y a le bord derrière moi, je crois. Hein. Ok. J'aime pas les tuer, ils chantent bien. Je peux pas? Ah bah non, parce qu'il est là en fait. Je vais pas faire ça. Faire ça. Ah! Je déconne. J'ai pas fini. J'ai pas tout looted. De forge, ouais, il y en a partout ici, c'est trop bien. C'est vraiment le coin de farm. Vomi de cachalot ou baleine, aussi appelé ambre gris, vaut plus cher que l'or. Oui, bah c'est pour ça que les baleines étaient. Bon, aussi pour la graisse. Les baleines étaient très chassées à une époque. Pas que pour la graisse de baleine. Aussi pour l'ambre gris, tout à fait. Est-ce que c'était ça qui était utilisé dans des parfums? Je ne sais plus. Avant, je vais aller là-bas. Il y a un gros tas de melasse là-bas. Un gros tas de morve, littéralement.
J'enlève mon point aussi parce que là, ça met un repère useless. C'était pas du tout un boss. Mais il était tellement, tellement charismatique comme, comme entrée là. Moi j'y ai cru hein. C'est le charisme qui fait avant tout un boss. Savon non? Savon ou parfum? Peut-être du savon. C'est pas la graisse de baleine plutôt qui fait du savon. Et l'ambre gris qui faisait du parfum. Parce que la graisse, je sais que ça peut donner du savon. Je sais d'un reportage qui s'appelle... qui s'appelle Fight Club. J'ai déjà plus de mana? Putain. Non, je me suis trompé! Je touche. Bien petit, ça a le gros. Ah les gros, c'est des sacs à PV insupportables. Je vise en face parce que voilà, dans sa petite gueule. J'ai pu lui faire un crit. J'avais jamais fait ça. Oh là là, j'ai pu faire un crit, j'avais jamais fait un crit. Ok. Eux je les fais pas parce que bah à l'épée je crois que c'est suffisant. Oh une épée du dieu serpent. On va regarder un petit peu ce que c'est ça. Franchement si c'est une épée qui prend un petit peu qui sert des dégâts magiques, ça pourrait être bien quoi. Oh, je vais faire. Ah gauche-droite, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai paniqué. Je me revois là. Mais non, c'est toi Avengers, bon du don. J'ai paniqué alors que j'étais juste sur un rebord. J'ai chuté. Si la graisse pour le savon. Ouais, d'accord. Le sel... Celle aussi, celle la baleine. Oui, c'est vrai. C'est la seule marque que je connais de sel. Je veux dire, tu me demandes d'une marque de sel, c'est déjà pas commun. Et bah, je saurais te dire que celle-là. Oh, j'ai trop paniqué. Non! Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, je panique. Runes dorées, mais ici c'est trop bien. On a des runes dorées, on a des pierres de forge. C'est trop bien, c'est trop fantastique. Oh, je vais le faire à l'épée, vas-y. Ah! Ça va, j'ai été touché une fois pour les avoir faites à l'épée, is ok. Bah alors, mais je sais pas, j'ai eu trop peur en fait. C'est passé des choses. Ah, il y a des gens qui sont arrivés sur le chat. J'étais déconcentrée. Salut Wolf. Mais du coup, j'ai chuté où? Là-bas. Je vois. Ah, je réapparais là quoi. C'est bon. Non, c'est pas là. Attends, attends, attends. Là que j'atterris genre à peu près. Attendez, y a un souci. Il m'indique pas où sont mes trucs. Elles sont au-dessus peut-être. Voilà. Hein, parce que j'avais genre 3-4 000. J'entends des genres de chants grégoriens. Et oui, c'est ces créatures-là qui chantent. Alors après, elles nous attaquent. Donc c'est dommage, mais franchement, je kiffe trop les entendre.
les os, hein. Moi je veux pas les tuer, mais... Mais bon, bah déjà m'attaque. Surtout ça en fait. Mais sinon, j'aime trop les entendre chanter. Quoi, toi? Bon. C'est là ou alors? On va voir, hein. Comment s'est passée votre journée à tous? Pas ouf sur 20? Ah ouais? Journée lambda chiante? Ah, ça doit être au-dessus de moi. Ça doit être au-dessus de moi, mes trucs. Ah non, celle-là, ça va. Je peux quand même les faire. Les petits, je peux quand même les faire à l'épée. C'est-à-dire, je leur fais pas zéro dégâts, quoi. Vraiment grand. Pour économiser de la mana, tout ça. Hein. L'avantage quand on donne juste des coups d'épée, bon bah c'est qu'on dépense que de l'endu qui revient instantanément. Ni Parkinson, mais arrêtez, j'ai fait un petit AVC, ça va. Recule quoi. Un petit AVC. Ah mais non, mais c'est vrai qu'elles sont en haut parce que je suis morte, enfin je suis morte des dégâts de chute. Mais quand on tombe, bah, les runes restent en hauteur. Là, à l'endroit où on était juste avant de tomber. C'est vrai. On est à regarder mon petit doigt de pied. Mon petit doigt de pied a retrouvé une couleur normale. De quoi? Comment ça? Ah, tu t'es cogné le petit doigt de pied? C'est terrible ça. J'avais 5000 quand même, ça m'aurait fait chier. Du coup, j'ai tout récupéré derrière eux. Derrière l'état de bidoche là. Quoi, hein? Oui, parce que je suis en train de revenir. Ouais, bah je vais pas utiliser toute ma mana à le faire, alors je pense que j'ai encore des trucs à explorer. Alors attendez, comment on revient bien? J'ai 7000 là, c'est pas rien. C'est la moitié de ce qu'il me faut pour un level. Un peu moins de la moitié, puis il me faut tellement maintenant. Voilà, là c'est bon. Mon cerveau a bien répondu. Ce matin, ramonage et nettoyage de... Voilà. Voilà quoi? Pelé? Je sais pas ce que c'est. Après-midi, métallurgie. Ok. Moi j'ai beaucoup stream. Voilà. J'ai profité, j'avais du temps aujourd'hui. Je me suis dit, tiens. Ah oui, je devais aller chez le médecin et le médecin en fait, bah, j'ai pas eu rendez-vous, en fait il a été annulé. Enfin, il aurait surtout pas dû être validé. Faut que je les tue encore les deux là. Il y en a qu'un qui chante, j'allais dire les deux qui chantent, mais il y en a qu'un qui chante. Ah, j'ai plus de mana. Terrible. Non, non, je veux pas être contaminé, ça me fait chier. Voilà, esquivade. Ah, je vais esquivade. Ah, je suis tournée. Je la vise plus, c'est terrible. Oh, elle me fait trop mal. Ça a l'air effrayant. Dites, faut que je la tue maintenant. Ah, ça me défonce. J'en étais sûre que ça allait me défoncer. Dégoûté. J'ai perdu toute ma vie pour le dernier coup, là. Donc pour maintenant, même si je devrais attendre un peu, mais j'apprends quand même. Ah non,
pas, je regardais le chat. Dernier de voix si tu préfères. Ok. Il a fait un duel de soucis avec mon frigo, ça s'est pas bien passé. Le frigo gagne face au tas de pieds, c'est bon à savoir. Masse de l'opium si tu veux. Ah, la pire douleur qu'un humain puisse ressentir. On le sait ça. Enfin, toujours dans Zelda, elle pète tout. Mais je peux pas m'en empêcher. Tout, donc ça, je suis sûre qu'un jour je découvrirai un truc que personne n'a découvert parce que tout le monde s'est lassé avant la fin de tout casser. Moi je me lasse pas, je continue à tout péter et on verra un jour vous saurez. Nous sachons déjà, un jour vous sacherez. Ok, je vais dormir hein, évidemment. Je sais pas dans quoi je me lance. Ça c'est un boss ça. Oh. Oh je connais pas lui. Salut machin de cornu. Ah mais c'est vrai qu'il y a ça des fois. Oh, c'est sûr que c'est un gros boss. Oulala. Torglot. Targot. Tragot. Tétragot. Oh là là, t'es trop ce qu'il me faut toi. Un gros gars bien tanky. Let's go. On va aller au S. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un truc qui vole. Oh là là, oh là là! Allez-y, faites des trucs! Il me crame direct, qu'est-ce que je peux faire? Il me met contre un mur, ce bâtard! Oh la vache! Il m'a tout shot! Je suis obligée d'y retourner jusqu'à le tuer pour récupérer mes 8254 runes! Il a one shot tout le monde, mais je suis giga dans la merde, j'avais pas... Mais oui, j'aurais dû utiliser, mais je pouvais pas l'utiliser, mais merde, mais je me déteste. Est-ce que si je me reproche de la sortie... Si je me reproche de la sortie, je peux avoir mes runes à l'extérieur. Salut Benos. Allez, viens là, Targot, Tragot. On y va, Targot. Oh, mes trucs. Sur mes trucs, je veux mes trucs, sur mes trucs, je vois pas mes trucs, je vois pas mes trucs, je vois pas mes trucs. Morte là-bas. Morte là où il est. Oh, je suis deg, je vais perdre mes 8000. Bon, oh, mais ils sont pas là. Putain, fuis pas comme une merde! C'est moi qui fais ça! Ils sont où? Ils sont où mes runes? Elles sont où mes runes? Elles ont disparu? Elles ont été bouffées? Elles sont nulle part, on est d'accord, hein? Je suis pas folle, hein? Oh, mec. J'en avais 8000, putain! Elles sont nulle part, hein. Je les ai pas loupées, hein. Vas-y, faites des trucs. Eh, bah, ils ont rien fait. Bah, pas les runes, on est d'accord, hein. J'ai perdu, j'ai littéralement perdu mes runes, définitivement. Franchement, Tragot, tu me déçois beaucoup, notre coopération me semble une voie à l'échec. J'ai perdu mes runes, je suis dégoûtée, je suis au fond du lit. Je vais chialer un petit peu. Ils sont pas là. J'ai bien fait le tour. Et je les ai pas vus avant. Non mais comment ça se fait là? Pourquoi le jeu il m'éclate la gueule là? Pourquoi tu m'éclates la gueule toi? Tragot, fais des trucs! T'as chier Tragot. Tu prends un gros truc sur la gueule Tragot. Fils d'Igif.
Attention, Dragon! Eh, tu tires à rien, Dragon. Pas le taper. Dragon! Dragon, t'es mauvais. Avant, il tape-le. Ah, j'ai esquivé dans la lave. C'est une esquive, hein, quelque part. On... de Dragon là. Bon, il faut que je le bute. Hein. Putain, et là il était au sol. Oh, eh, je suis vraiment trop triste, j'ai perdu mes 8000 là. Je suis vraiment très triste. Je sais qu'elle m'a... je sais que j'ai juste la zone à refaire pour la récupérer mais on vit. Dégoûté. Bonjour Dragon. Ah. C'est fait déglingos. Eh, j'ai fait des progrès, j'ai mis mid. Eh, vous voyez que le négatif. Vous voyez pas les progrès. Eh ben là, ils sont face de moi. Putain, mais j'ai envie de tirer. Alors là, quand j'en ai zéro, par contre, le jeu, il me les affiche bien en face. Tiens, voilà, petit truc. Tiens, voilà, on les a gardés rien que pour toi. On a gardé ta boîte vide. Dragon, Dragon, Dragon. Vas-y, tape-le. Dragon, Dragon, mais pourquoi tu tapes pas? Dragon. Pourquoi il tape pas? Tu trolls, Dragon? Ah, mais je me fais éclater. Mais tu m'étonnes, il tombe tellement dessus, mais l'autre ne sert à rien. T'invoques pourquoi, toi? En plus, il a full vie par rapport à moi. Oh, je suis dégoûtée pour les runes, quoi. Tu veux des runes? Il y a des bons spots de farm. Ouais, je sais, mais là, bon, c'était en explorant, quoi. C'est les runes les plus intéressantes, tu vois, celles où... explore... la petite qui découvre de plus en plus du truc, et puis hop! Rune! Mais j'en avais mis deux. Un où les mobs réapparaissaient sans cesse. Un endroit où il faut que je trouve des animaux sacrés. Et un avec un géant. Des géants même. Pourquoi? Ouais, pourquoi il va pas l'attaquer? Mes loups ils sont plus efficaces. Enfin, je me mets mes loups. Je dois pas tout faire d'un coup, mais bon, au bout d'un moment, faut voir un peu les techniques qui fonctionnent. Les loups, vous êtes bien meilleurs que Dragon, montrez-le. Dragon, fais comme les loups, là. Je déteste. Je déteste. Ah, ici, les loups. Voilà, ils s'attaquent, là. Et là il se retourne. Dragon, mais je te déteste. Mais t'es vraiment qu'un connard. Mais franchement t'es méchant. T'es censé être une sorte de tank. Tu tankes que dalle. Mais pourquoi tu me suis? Dégage. Oh, oh là là. Et franchement, il s'appelait comment l'autre? Il s'appelait comment là, le tout premier là? Josier? Non. Si, c'est Josier. Josier. Comment il s'appelait? Il était vachement mieux. Ah, c'était bien, c'était. Gage, pas grave. Plus du cul. Ah là là, ça joue. Non! C'est fatigant. Mes loups sont morts, Dragon. Si tu veux faire quelque chose, ça m'arrangerait. Ah, il se promène. Ah non, il revient. Mais il s'est dit, ah, là-bas il fait un peu chaud, je vais revenir en arrière. Non, mais c'est normal. C'est l'officiel, hein, c'est l'officiel meilleur. Ah oh, ça, on le savait. Dragon, le seul moment où il a mis un coup, c'est au moment où j'étais mort. Ça stun le bomb. C'est-à-dire que le seul coup qu'il lui met est super efficace. Mais il lui met un coup si j'ai de la chance. Ah, je suis trop loin. Cette deuxième phase. Oh, il est trop stylé, j'adore moi. Ah ouais, il est stylé aussi, il met des coups stylés. Vite. Dragon. Merci. Moi j'ai cru que t'étais efficace. Excuse-moi la Dragon, j'ai cru que t'avais pris une initiative. Hein. Oh là, il lui fait des trucs.
Il est trop stylé. Dans sa gueule. Ouh, un peu tard mais ça a été. Trop loin. Mana, c'est ton moment. Hein. Ouais, mais magie rabattue. La mécaille de dragon du magma. Merci Tragot, tu peux partir. Déteste ce type. Il est antipathique. J'ai eu combien de trucs? J'ai réussi hein, j'ai 18 000. Et j'ai merci. Félicitations! Merci beaucoup! Et pourtant, j'étais solo. J'ai jamais vu un PNJ aussi débile. Mais oui, un PNJ! C'est fou moi aussi hein! Merci beaucoup! C'est doux. Pour monter de niveau, est-ce qu'il me faut encore un pour la force pour pouvoir avoir une bonne épée, je crois. Mais on va checker quand même. Et franchement, je suis assez choquée aussi à quel point il servait à rien. À un moment, enfin il a attaqué, ça a été super utile. Mais punaise, c'était tellement longtemps qu'il ne coûtait rien. Alors, l'épée chevalier de Caria. Celui-là aussi, il fait avec l'intel. Celui-là est mieux. Cette épée est mieux. Ah ouais. Elle est mieux celle-là. Ah ouais. Épée de cristal, c'est ça qu'il me faut moi. Sachant que mon épée actuelle à moi, elle a été améliorée 5 fois. Là, elle a pas été améliorée. Et ça c'est quoi la mécaille machin? Il faut de l'intel aussi, non? Il faut de la foi. Il me faut de la foi. Pas la foi. Ah, c'est une faucille, hein. Ah, ça aussi, elle prend l'intel. Mon épée, elle est en mieux. Ouais. Pique et magie. Ok. Je vais mettre mon point en force. Bonjour de RTT. Ah oui, j'ai eu l'impression que je l'ai rappelé, il était d'astreinte, il était saoulé. Du coup, on met en force. On se fort, évidemment. J'aurais pu monter 2 levels, je crois. Non. Mais presque. Si j'avais pas perdu mes autres runes de manière complètement magique. Le jeu a dit fuck you. Et faut que j'aille l'améliorer, du coup, cette épée. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ai envie de taper avec X aujourd'hui. Déjà, elle est belle. C'est bon, elle est belle, je la garde. Je suis un dragon qui bouge pas assez. Non, j'ai pas encore fait le dragon. J'en ai fait aucun. Même s'il attaquait pas trop, il occupait l'ennemi au cac. Un petit peu, mais s'il l'attaquait pas, l'ennemi était pas vraiment occupé. C'est mes loups qui l'ont occupé beaucoup au début. Et après, bah, il me visait pas mal. Mais il y a un moment, effectivement, où il l'a enfin attaqué et ça a été... On va aller à la forge. Du coup, on était où? Par contre, du magma, parce qu'on t'a encore exploré, mais moi j'ai envie tout de suite de m'améliorer. Il y a plein de trucs à changer et tout. On y va. On va à la table de grâce. Mais le dragon, j'ai chopé derrière lui. Enfin, il y a un dragon, j'ai chopé derrière lui.
Okay. Alors attends, c'est où Céline? C'est là-bas Céline, non? Je connais pas moi les endroits. I don't know the lieu. Moi je sais qu'il y a un dragon ici. C'est pas fait. Et voilà. Voilà, voilà. Un dragon qui bouge pas, mais mon copain il m'en a parlé aussi. Il te rapporte 100 000 runes, c'est ça? Ah tu... Mais oui, il m'en a parlé, mais je sais pas où c'est, parce que je suis pas encore allée à Céline, parce que quand je voulais y aller, c'était trop... C'est la zone rouge, ça. C'est super haut niveau, du coup je me dis, bah je vais y aller plus tard, quoi. Ah, un arbre réfractaire a pu faire autre rencontre, vous imaginez. Vous m'invitez à les rejoindre? J'ai vraiment du mal à y croire. Pourquoi ils me prennent-ils? J'ai surprise d'apprendre que j'ai accepté leur offre. De quoi tu parles? Je lui demandais l'air de rien en passant de leur repère. Et puis lui demander. Trouve sur le mont Gelmi. Mets un point sur ma carte, s'il te plaît. You'll rue the day you insulted my name by laying hands on Lanya. The tale of House Hoslow. J'ai oublié ton histoire, mec. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. It's on Mount Gelmir. Found that's where they hide. Just you wait. The tale of. Okay. Okay, bro. Vas-y, la vengeance, c'est un de mieux. Dis-toi. Ah, c'est pas là. Là, il y a la méchante. Je vais parler à elle, tiens. Salutations. La vitamination spirituelle. Déjà, ah ouais, c'est pour améliorer. J'ai amélioré mes loups. Ça demande combien? Ça demande combien? Améliore. Mais j'aurais plus de runes. Croyez morte, comment ça? Dans vos armes. Attends, attends, je suis pas fini, mec. Attends, attends, attends. Je sais que t'es impatient, mais j'ai pas de runes. On va en prendre quelques-unes. Combien? Utilisation multiple, je vais en utiliser deux comme ça. Je sais pas ce qu'on a fait. 2000 chacun. Ok, 4000, ça va aller. Renforcer une arme. Je vais renforcer celle-là, du coup. Et les bâtons, le problème, c'est que j'ai d'autres bâtons. Et je sais pas si ça va être rentable que je commence à augmenter mes autres bâtons. Ou si, même augmenter, ils seront pas mieux que celui que j'ai déjà. Ça, c'est un sous. J'en ai plein. Une semi-humaine. J'ai celui-là. Il a un bonus de son sel de sort 47. C'est bien, sauf qu'il est plus 8. Par exemple, celui-là, il a peut-être que 136, mais il est que plus 1. Ah, c'est mon premier bâton. Ah non, c'est pas mon premier bâton du tout. Bâton d'astrologue. Du coup, j'hésite de fou. Parce que, bah, comparer des trucs qui sont level 8 à des trucs qui sont level 1, bon, bah, ça a pas de sens. Du coup, j'ai du mal à me rendre compte de. À terme, ce sera vraiment mieux ou pas. Bâton semi-humaine est peut-être mieux. Il aura 146 de bonus sur Cédri. Oh, c'est difficile de se rendre compte. Hein. Tu peux cavaler jusque là-bas. Rien. Je viens de les prendre au début. Ouais, t'as raison, faut que j'y aille. Mais c'est, oui, c'est ce qu'a fait mon copain justement, il m'a dit bon, moi j'ai foncé. Voilà. Je savais. Parce qu'il y a le bâton d'académie aussi. Il a combien lui? Par rapport à semi-humaine. Ouais. Moins de dégâts physiques. Moins de bonus de sorcellerie. Donc, la règle humaine est sûrement mieux. Donc je teste, je suis pas sûr. Oh, j'ai plus assez de composants. Merde. On bassera pour plus tard, hein. En tout cas, j'ai une épée qui a du swag. Pourquoi je fais X? Faut que j'arrête de faire X. Et je voulais voir autre chose, je sais plus. Ah, mon équipement. Parce que j'ai eu d'autres équipements. Alors pour la tête, je crois que celui-là, il a un bonus de sorcellerie. Et celui-là aussi, non? Voilà. Pour chaque façonné à partir de la tête quasi.
inaltérée d'un golem malicieux reprenant. Il m'enlève 2 d'endurance, mais il me rajoute 3 de. 3 d'intel. Ça va être bien en vrai ça. Mais par contre, niveau protection, walou quoi. Vitalité aussi. Je vais prendre mon loup moi. Game bizarre quand même, le forgeron. Je sais pas. Le forgeron quoi. Après, je dis ça, moi j'en ai jamais vu dans la vraie vie des forgerons, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être lui ma référence. Ça fait quoi déjà les arcs runiques? Je trouve un peu plus de sorts aussi. Démon, j'en profite pour garder un peu mon équipement. Ah, mais charge lourde, de toute façon, je peux rien prendre qui me donne une charge lourde. C'est un bleu si peau, quoi. J'en ai plein de nouvelles, des trucs comme ça, des talismans. Augmente la charge d'équipement maximum. Augmente la vigueur, l'endurance, la force, la dextérité, mais également les dégâts subis. La force et la dextérité, je m'en fous. Améliorer les contre-attaques. Ça, c'est pour les cacs. Augmente l'attaque sacrée. Je m'en fous, c'est pour la foi. Les dégâts en cas de tir sur la tête. Contre la puissance des attaques successives. Mais est-ce que les attaques successives, ça compte aussi quand c'est des attaques de magie? Forgeron, ça a pas des excroissances cheloues qui poussent partout dessus? Bah, s'il forge depuis longtemps, peut-être. Hein. Et ben. D'accord. On verra. Pour le moment, je vais essayer comme ça. Je vous abandonne un tout petit instant, je me dépêche. Mais promis, oui, je me dépêche. Et bisous. À tout un. Ah, j'ai fait tomber ma gourde! Je suis là. Bisous Wolf. On y est toi. Désolé. Je me suis absentée un tout petit instant. Je me remets mon plaid. Et ma petite veste. C'est bon. I'm ready. Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire ici? Peut-être que je parle des PNJ. Je vais faire ça vite fait. Hello. I thank you. So what can I do for you? Les incantations, je m'en carre. Ah, well then. May the golden order shine. M'en carre. Non, bah je peux partir, non? J'ai l'impression de passer à côté de tellement de trucs, mais tant pis. Alors,
On était là. Je vais juste continuer d'explorer le truc du dragon. Après, on va retourner à l'académie. Je sais pas, en fait. Peut-être pas tout de suite. On va peut-être faire le truc... Le truc dont vous m'avez parlé, du dragon, là. Rocher le dragon. Moi, je viens de là. Et là, c'est la suite. Bon, je vais au moins explorer ça, on va voir. Avec ma superbe épée. Qui a moult fois plus de swag que ma tenue. Bon, excepté ce sublime casque. Bonsoir, Hibernator! T'as vu mon épée? Épée. Comment je fais pour... Comme ça. Et vu que je joue mana... Oh d'accord! Bah d'accord, ça m'en montre. Que je suis... Bateau d'Altus, bah, merci de m'avoir répondu, c'est gentil. Wow. Wow. On dirait les trucs qui sont tirés par les géants. Waouh. Alors t'es tombé? Faut pas tomber hein. Non, pas lui. Ah là là, il m'a fait chaud. Oh, il m'a fait chaud. L'épée. Elle a donné combien? 1000 hein, c'est ça? 1100? Attendez, je regarde sur la rediff. 1111. C'est bien ça ici, Yon. 1111 pour un mob plutôt rapide à tuer, c'est bien, non? Toi, tu as donné 1111? Je me trompais. Non. Je ne vais pas feindre l'indifférent. Faire avec ces trucs. Moi, je vais comprendre. Oh, là-bas. Il y en a encore un gros méchant. Bon, déjà, j'explore un peu ces trucs pour voir s'il n'y a pas des coffres cachés. Mais c'est stylé ici, hein. Moi, j'aime bien. Un truc ici. Je prends pas trop.
Ça, c'est les fleurs, c'est pas mes potes. Bah, y a rien à fouiller avec ces gros trucs. On va juste voir ce qui se passe au sommet. Au sommet. Ah si, attendez, quelque chose là-haut. Sorbier doré. Qu'est-ce qui fait du bruit là? C'est magie. Ma faute, il s'est coincé tout seul là, hein. Moi j'ai rien demandé. Hein. Eh, mais c'est pas mal ici, j'ai déjà 4712. Je suis plus bad. C'est toi qui décides. De toute façon, c'est toi qui décides. Alors. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça brille. Masque de suzerain. Robe de suzerain. Ah, c'était un suzerain. Très trop bidon le suzerain, quoi. Ah, là on parle là. Résistance à tous les dégâts magiques. Ah, c'est bien ça. Quoique. Je crois que ma robe d'astrologue, en fait, elle est mieux. Pas complètement, même. Je suis emballée pour que dalle. On va voir s'il y a un autre bonus, mais j'ai pas l'impression. Après, attendez. Il y a écrit robe élégante. C'est vrai qu'elle est élégante. Mais je passe, hein. Une robe de fantasy. Quoi que je prenais avant? Oh, celle-là. Mais celle-là, elle est lourde. Bah, ça que j'avais avant, c'était quoi? J'ai oublié ma tenue. Voilà, pas grand chose de mieux, hein. De la charge lourde après. Non, pas ça, c'est moyen. Et du swag avec. Oh putain, j'ai rendu une brouette. Rendu une passoire. Une passouette. Je vais mettre ça pour le moment. Y'a un dragon! Y'a un dragon! Je l'ai pas vu, je crois. Non mais y'a un dragon! J'ai jamais fait dragon et je parie qu'il est plus dur que tous les autres celui-là. Oh, mais je me suis... Mais non, mais y'a un dragon, quoi! Y'a un dragon! Interagir avec? Non, je peux pas. Un dragon. On va tenter un truc, hein, mais et sans aucune espèce de prétention, quoi. En plus, il est trop beau. Moi, j'aime pas tuer les dragons. Ils sont beaux et ils sont magnifiques. Je lui fais un tout petit peu mal. Oh là là, mais t'as l'air trop effrayant, mec. Trop culeux. Je mérite pas que j'essaye de te faire du mal.
Sur mes loups, il va vous tuer. Sur mes loups, il vous a tué. Ah, il a disparu. Oh, il disappear. Pourquoi vous partez? C'est pas fini, il va revenir. Où est parti? Eh, j'ai été impressionné. Ah, je l'ai trop fait fuir. Où sort Pika? Pika Pika. Il est gentil par la bite, celui-là. Merci, Pika. Oh, le gentil follow. C'est un L, non? Pika, mais c'est pas un L, c'est genre BLK. L'écran est un petit peu loin, du coup, les I majuscules et les L, je les confonds. Mais j'ai l'impression que je me trompe. Bien joué. Mais ça se dérange si je prononce Pika. J'aime bien. Bon. Bah zut alors, le dragon on lui a fait peur. Pourtant on a qu'essayé de le tuer. Tiens BLK. Ouais bon bah je dirais BLK. Oui. Mais j'ai fait peur au dragon. Mais de toute façon on va pas aller dans cette zone, on a trop de trucs à faire dans les autres zones là. Comment se toi Guy. On est au pied du vrai arbre monde, c'est ça? Oh là là, j'aime trop. On va pas y aller maintenant. On va pas y aller maintenant, on a trop de trucs à faire avant. Mais petit point de TP, ça fait pas de mal. Elle est bien ma brouette. Et puis je vais voir quand même les ruines derrière. Trop cool! Ah, j'entends un objet. On va essayer d'escalader. J'ai aucune idée de comment. Complètement aucune. Mais il va falloir. Ou qu'on fasse le tour, ou je ne sais point. Par là. Ah non, je vais atterrir au même endroit. Bah zut, comment je fais? Faut que je monte. Je sais, j'entends. Allez-y. Ça va pas être la technique habituelle. Peut-être. Attendez. Attendez, attendez, j'avais pas vu. Petite graine. J'entends un truc qui me sera très utile pour, probablement. Je sais. Et si je passe là, faut que je... Attends, attends, panique pas. Faut escalader. Alors j'escalade à partir de là, voilà, de là. Ça doit pas être ça. Attendez, je fais le tour. Qu'est-ce que c'est ça? Tu tues? C'est quoi? Un foie séché anti-foudre. Ouais, le point de foudre. Comment ruine. Là,
je peux peut-être escalader. Mais non, mais là, je peux pas non plus. Mais c'est quoi cet endroit où on peut pas escalader alors qu'il y a 1000 trucs au sommet, c'est sûr. Ça m'énerve. On entend un scarabée brillant. Un mouton roule. Pas de roulade. No fun le mouton. Et ben je ne sais pas comment atteindre le sommet. Et je peux passer par là. Oh presque! J'étais trop presque. Ok. Attends, on y retourne. Non mais je vais réussir. Ah oui, c'est le risque quand on embête un modo. Il a du pouvoir. Ouais, c'est vrai que mon épée elle est trop cool. C'est pour ça que je l'ai prise, hein. Parce qu'il y a du swag. Mais en vrai, elle coupe pas. Mais elle est juste swaggy. Attendez. Ouais, j'ai réussi à passer de l'autre côté. Ça ne m'aide absolument pas. Quand même un sentiment d'accomplissement, et ça, vous voyez, ça n'a pas de prix. Là, je peux monter au sommet. Ah, mais en fait, je pouvais monter de 1000 façons. Oh. Découvre, hein, je découvre. C'est qui ça? Un truc qu'il a pas fait. Ok. C'est quoi? Des trucs dorés. C'est bien ou pas ça? Ruine des ducs. Je te fais plus mal l'épée. Je fais trop mal avec mon épée. T'en fais pas, tu ne seras pas ban, misophilité. C'est juste un petit théo d'une seconde. Faut peut-être pas abuser non plus. Je suis mort pour la 45e fois sur Godfrey. Ça m'énerve! Godfrey. J'ai pas affronté moi celui-là encore. Ah ouais, mais ma dernière session. Je me suis fait éclater sur. Sur la mage là de l'académie Lucaria machin. Ok. Ce bouclier, mais qu'est-ce que j'en fasse de ça? Et bim, hein. Je me disais bien qu'il y avait un sous-sol. On va y aller.
un bruit. Ah, j'entends. Oh là là, il va me buter, il va me buter, il va me buter, il va me buter, il m'a buté. Oh, je suis au fond du gouffre. Oh, il m'a buté. J'avais 9000, hein, j'ai intérêt à les récupérer cette fois. Hein. Péter les câbles! Mmh. Mmh, mais voilà, je sais même pas comment monter. Il y a sûrement une technique pour monter. Vénère le mob, mais grave! Voilà, hein. Tout simplement, on avait trouvé cette technique, ça marchait très bien. Je vais être obligée de tout renettoyer là. Et ce qui m'embête, c'est que je risque de mourir avant d'avoir récupéré. Bon, j'y vais. Je peux pas me fier. Bon, attendez, mon truc ne me donne plus jamais l'indication où sont mes runes en fait. Plus jamais. Chaque fois il montre un endroit, c'est jamais là. Ah si, des bêtises, pardon. Allez, j'ai spamé. Is ok. Changer, allez. Des semi-hommes. Oh, c'est... Je sais pas quoi c'est. Mais tout ce qu'il y a, bordel. Je veux changer de cible. Ah, ils se tuent entre eux. Bande du loser. Ah, j'arrive pas à t'attraper. Ah. C'est pas grave. Dans l'arbre. J'aime pas ce que je vis. Bordel! Ah, j'y arrive pas! Bravo! Bravo Belka! 79 000 runes. Ouah, mais moi je veux ça! Me fait éclater. Mais non, mais on a compris, bison futé. Je sais pas pourquoi t'arrêtes pas de dire je m'en fous, tu peux me ban alors qu'on veut pas te ban. C'est bizarre. Merci, mais je suis morte.
Et on a compris un bisou futé, vraiment pas obligé d'écrire. D'écrire à la use. D'une demi-page. En disant non mais je m'en fous, tu peux me ban. Non mais on va pas te ban. Non mais je m'en fous, vas-y fais-le. Non mais on va, en fait on va pas te ban. Non mais je, franchement je m'en fous, tu peux me ban. J'aime bien cette conversation. Non mais je vais pas te ban. Non mais franchement je m'en fous, vas-y. Non mais je vais, en fait je vais pas te ban donc je... J'ai pas de raison de le faire. Non mais tu sais, tu peux hein. Ah là là, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je lis ça depuis deux minutes, ça me fait rire. Bon, j'aimerais bien faire nettoyer la zone pour pouvoir enfin fouiller. Ça vise trop bas. Ok. On va faire étape par étape. Tout à l'heure j'ai tout pris, j'aurais pas dû. J'ai pas assez de dégâts de zone. Loin de là. Et puis aussi surtout, j'ai essayé de le finir à l'épée. Je ferai plus l'erreur. J'ai pas fait l'erreur. Ok. J'ai eu quoi ? Pierre arc-en-ciel. Je sais plus ce que ça fait ça. En quoi c'est utile, je sais plus. Ensuite, on va continuer. Là il va en avoir d'autres. Voilà. Et de les repérer. Non, bah non. Non. Oh, j'en ai pas vu. Non, lui. Ils font trop mal les mobs. De coup, je suis mis de live alors que c'est des petits mobs de merde, ça m'énerve. Voilà. Step by step. Ouais, Erwin. Ah, ouais. Mais je vise quoi là? Tiens! Il one shot, mais ça sert à rien, le quasi one shot. Le jeu, c'est du one shot. Ah! Il a pas voulu! J'ai essayé de le faire sans, il a pas voulu, il a juste raté. Au fond. Pas mal. Allez! Et tu te sors. On en sort sur deux. Trop loin. C'est ça que je veux viser moi. Oui oui, t'as plus de mana, je sais. Tout vénère là, il m'a sauté dessus avec ses yeux rouges du fou. Hop là. Alors. J'ai pas compris, il devrait développer. Les vides à roche ouais, tu réalises qu'un vide range tout vert. Les yeux et je t'aime pas. Je vois pas l'intérêt de dire ça en fait. Je sais pas, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il t'a fait. Tu boutes, tu me boutes et voilà, c'est d'accord d'être en désaccord ce soir. Bon en fait là c'est surtout toi hein, qui est en désaccord. Il y en a qu'un des deux hein, qui a l'air de rester bloqué là-dessus en permanence.
Nous avons compris, Bison, que tu as un souci. Nous ne pouvons pas trop t'aider pour ça, malheureusement. Nous avons compris. Alors... Et tu as un mob dans le coin. Plein de mobs dans le coin. Ah, ça fait que gueuler depuis 5 minutes, hein. C'est pas moi qui gueule, même si je gueule pas mal. C'est les mobs qui arrêtent pas de murer les dessus en me sautant dans la gueule. Allez, bois. C'est bizarre, des fois, faut vraiment... J'ai un petit souci des fois, si je fais... On dirait que je peux pas faire deux inputs à la fois sur ma manette, mais pas tout le temps. Typiquement, des fois, là, j'ai l'impression que je peux pas avancer et essayer de boire une popo, alors que c'est un truc que je peux faire, normalement. Il a fallu que j'arrête, que je lâche tout, et là, je pouvais enfin boire ma popo. Trop bizarre. Et ça me le fait parfois, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas le jeu qui est comme ça et qui fait qu'on ne peut pas avancer, voilà, faire plusieurs trucs en même temps quand on est sur le cheval. Typiquement, parce que j'ai l'impression que c'est surtout quand je suis sur le cheval. Bon! Oh non, mais j'ai trop de... Je peux pas y aller. Lecture d'une loi! Ah oui, pardon! Je vais... Oui, mais pardon, je vais lire la loi, je vais lire la loi! Des os! Ouais, c'est du PEX, ouais. Mais le problème, c'est que j'ai pas un endroit de TP juste à côté, et ça m'emmerde. Mais en soi, effectivement, j'ai 16 000. Je sais pas combien il me reste pour level up, mais on va level up. On prendra ce qu'il faut. Alors, lecture du... Attendez. C'est pas un truc... Lecture du noir. Je vais faire ça tout de suite. Pourquoi c'est chiant, anti-foudrant. Merci, ouais. Alors, dans un pays qui n'est pas les États-Unis, il est possible de voter pour un mort. À votre avis, où est-ce que c'est d'utile donc? Après, il y a tout un exemple qui donne beaucoup trop d'indications de lieux. Donc je vous dis, voilà, je le lirai après. Et ça a fait jurisprudence. Waouh, oh waouh. Mais c'est un beau lieu de farm, non? Impression, hein. On va aller faire des trucs. Non mais j'ai pas, j'ai vraiment pas d'endroit où respawn plus proche. Ouais bah remarque c'est plutôt proche mais c'est tout en bas. Japon, Cuba, le Japon, la Chine. Nope. En Asie. En Amérique. J'ai pas de... Ah non, j'ai pas d'endroit. Parce que là, regardez, il y a clairement un... Ah mais après, c'est les statues où on peut réapparaître, ça. Je m'en fous, j'y vais. Non, pas maintenant. Je vais avant, quand même. Allez, level up. Pays-Bas, Suède, Australie. Pays-Bas, Suède, c'est ce qui se rapproche le plus. Les Pays-Bas, c'est ce qui se rapproche le plus, on va dire. Oui, le fond même. Donc c'est un... Qu'est-ce que je fais, réflexe? J'ai vu les deux trucs. Mexique. Ah non, là on s'éloigne un peu. Danemark. Non. Bref, c'est en Europe, quoi. Dans quel pays est-il possible de voter pour un mort? Oh, mais il manque que dalle. Bah attendez. J'en prends deux quand même. Tac. Ah non, Luxembourg, en Norvège, la France. Tout à fait, c'est en France. Tout à fait! Félicitations! Et je vais lire l'exemple. Ah, oh, il me manque, j'en étais sûre qu'il m'en manquerait. Il me manque 50 à tout péter, même moins. Il me manquait genre 30. Alors, en France, il est possible de voter pour un mort. Lors des élections régionales de mars 2010, la tête de liste du NPA en Charente-Maritime, décédée après le dépôt final des candidatures, a recueilli 1,58% des voix. Voilà. Donc si t'es déjà candidat avant de mourir, on peut voter pour toi. C'est dingue.
Je m'en appelle. M'en fous. Ah, moi je fous l'intel. Hein. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je vais essayer d'atteindre le truc sans, sans mourir. D'atteindre le point de... le sous-sol, là où il y a le boss. Peut-être que si je passe par l'extérieur, ça, ça ira. J'ai réveillé du monde. J'ai entendu. Ah, ça a rugi, là. Qu'est-ce que j'y fais? Je m'en fous, je cherche pas, ça va. Let's go, on va voir ce que c'est. Oh là là, il est trop stylé. Dis ça à tous les boss, faut que j'arrête. C'est ses yeux violets, là. C'est le boss de Twitch. Arrête, t'es méchant. Ils sont trop forts, mes loups. Battu. Ouais, bon, là j'avoue, j'ai pas trop de mérite. J'aurais pu largement le tenter tout à l'heure. Mais voilà, 8000. Ah, du coup, je vais peut-être voir une sorcière, un truc comme ça. J'aimerais trop. Ransomyman. Bon, là, et là, je vais avoir un super bâton de Ransomyman et je vais être deck d'avoir amélioré l'autre. Talisman épée rituel. Nécessaire. Augmente la puissance des attaques. C'est autre chose. Hein. Pas du tout ça. Quoi ? Épée rituelle ? Ah, c'est là. Un talisman ? C'est celui-là. J'ai confondu avec celui-là. Il était juste à côté. Augmente la puissance d'attaque. Quand vos PV sont au maximum. En vrai, moi, de toute façon, si mes PV sont pas au max, c'est que je vais bientôt mourir. Donc ça peut être bien. Mais j'aimerais bien savoir de combien ça augmente. Talisman fabriqué à l'image des épées utilisées lors de combats rituels visant à honorer l'arbre au monde. Augmente la puissance d'attaque quand vos PV sont au maximum. Cette pratique avait disparu sous le règne du roi consort Radagon. Et à ce jour, on peut encore trouver de par le monde les ruines des arènes où avaient lieu ces affrontements. Bon. Et bah, let's go. Ce qui est prévu, si le candidat qui est mort est élu. Mais complètement. Bah oui, il y a un remplaçant. De toute façon, ils ont toujours des... Comment on appelle ça? On appelle pas ça des remplaçants. Il y a un autre nom. Mais effectivement, ils ont... Ils ont toujours des successeurs, non? Et sinon, bah c'est prévu de toute façon, j'imagine, quelque part dans la loi. Quand... quand de toute façon, un... Oh, je... oh, il est tout magique. Attendez, il est tout magique, celui-là. Je vais le tuer. Trop magique. Il rapporte plus de runes, c'est ça ? Stylé. C'est sûr, c'est le premier ministre qui prend les... Non, non, mais on parle pas de premier ministre, hein, forcément. Là, tu parles... C'est facile si tu parles du président. Mais typiquement, si c'est des élections régionales, si c'est un député, si c'est des trucs comme ça. Moi, je pense surtout à d'autres types d'élections. Les élections présidentielles, enfin d'autres types de rôles. Le suppléant, c'est ça. Vice-président, c'est aux États-Unis. Ou ailleurs. Et c'est pas en France. Ouais, le suppléant. Président avec des vices. Ok. Bon. Sympa, hein. On tente. Oh punaise, il y a un campement là. Ah là là, je vais pas explorer déjà cette zone. J'ai déjà trop de trucs à explorer plus tôt là dans l'histoire. Puis on m'a dit qu'il fallait que j'aille chercher le dragon. Il faut que j'aille le plus tôt possible avant que ça me donne pas assez de niveau. Parce que là, je suis déjà niveau vachement loin. J'ai niveau 53. Il faut que j'aille faire le dragon. Mais est-ce qu'on tenterait pas la nana de Raya Lucaria là? Maintenant que j'ai une superbe épée. Franchement, j'ai envie de tenter. Mais ce sera. Dans la seconde VOD. Je sais plus où c'était.
église du coup. Une porte de l'académie. Ouais, c'était. Église du coup, peut-être. Je vais voir. Comment une panoplie de suppléants, ouais, voilà, c'est ça. Selon le type de rôle. Président du Sénat qui prend la place du président, pas le premier ministre, en cas de décès. Ok. Good to know. Fin de VOD maintenant. J'attaque la seconde tout de suite.